Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera un petit haul, mais vraiment tout petit. J'ai fait 3 magasins ce matin. B&M, Pickwick Toy, qui va bientôt fermer, donc qui fait des prix exceptionnels. Et Candy. Donc, on commence par B&M. J'allais à B&M pour une chose, une seule chose. Ceci. Le mug Lutin. Je l'ai vu sur plusieurs hauls de personne que je suis, et franchement j'ai complètement craqué sur ce petit lutin qui est, alors il est gros hein, parce que vous voyez ma main, elle est quand même assez important le mug, mais franchement j'adore. Et ce mug fait 3,99€, et franchement mais il est magnifique, il est vraiment trop chou avec son petit nez en trompette là, il est vraiment trop chou. Du coup j'ai fait un tour dans le magasin. Et comme il me fallait un porte-essuie-tout, j'en ai profité pour en prendre un. Parce que le mien, il est dans un état pas possible, ça fait 20 ans que je l'ai. Donc j'ai dit, on va changer. Donc, en bambou, 2,99€ il faisait. Donc, c'était l'occasion ou jamais. J'ai trouvé aussi des pailles pour Noël. C'est pas comme si j'avais pas de pailles, mais j'en ai pas les rouges. Bien sûr, la seule couleur que je veux, je l'ai pas. Donc j'en ai pris 99 centimes, pardon, 2,99€, je prends pas. Et j'ai trouvé en tête de gondole ceci. Alors hop, on va mettre les pailles devant. Un mug XL. Et celui-là fait 2,99€. Il est tout en verre, tout transparent. Je vais pouvoir. Alors, il est un peu plus grand que. Vous voyez ? Oups, ou quoique non, pas forcément plus grand. Bon, donc voilà, ça c'était BM. On va passer à Pickwick. J'ai pris deux petits seaux, ils faisaient 70% hein, tout. Donc j'ai pris deux petits seaux comme ça, rouge, et les deux petits seaux, enfin le petit seau faisait à la base 1,29€ et je l'ai eu à moins 91 centimes, c'est à dire pratiquement rien. Ensuite, j'ai trouvé un cadre Pola pour mon petit chocobar. Le Pola était à 1,99€ et je l'ai eu à moins 1,40€. Donc vraiment quelque chose de super. Ensuite, j'ai acheté en porcelaine un petit sapin et une petite étoile. Chacune valait en prix normal 1,99€ et je les ai eues à moins 1,40€, donc dans les environs de 50 centimes. Donc ça valait hyper le coup pour créer mon chocobar dans la cuisine pour ce Noël. Et à Candy, j'ai trouvé une petite boîte aux lettres. Alors elle n'est pas grande, hein. Elle est vraiment fait vraiment ma main, donc elle peut s'ouvrir. Voilà. Et elle se ferme. Ah non, c'est de l'autre côté. Chaque fois, voilà. Alors, la boîte à lettres faisait 1,59€. C'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Et puis, j'ai pris. Ah, vous entendez? Les reines arrivent. Des gros lots. Enfin, c'est pas des maxi, hein, parce qu'il y en avait d'autres. Donc, il y a 4 lots. 4 lots, non, il y a 4 gros lots dans le lot, pardon, il y en a 2 à paillettes et 2 en mat, et ce lot de gros lots vaut 1,49€. Donc ça c'est pour la déco, désolé pour le bruit, je les ai posés, c'est bon, là les reines au placard, dans l'écurie. Cette année, fan de déco, comme vous l'avez vu déjà, j'ai commencé à créer en saison automne et là bientôt en saison hiver, Noël et Nouvel An. Les trois font partie de la saison hiver. Je vous ferai voir bien sûr ce que j'ai fait avec ma salle de vie, salle à manger et une petite nouveauté, mon chocobar donc, qui se trouvera dans la cuisine. Voilà. Je vous remercie déjà toutes mes abonnées nouvelles et anciennes qui me suivent.
Mettez-moi des petits pouces bleus, des cœurs. Vous pouvez me mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Vous savez que j'adore vous lire. N'oubliez pas Octobre Rose ce mois-ci. Bientôt, il y aura un podcast couture. Parce que je fais aussi des podcasts couture. Je refais encore des vêtements aussi pour moi. Aujourd'hui, il fait beau. Froid, mais beau. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bye bye, à bientôt !